vendredi. Bon, j'ai encore 8 heures de boulot à faire, mais c'est pas grave. Donc j'espère que le temps va se maintenir, hein, parce que ben, là, il fait pas beau, mais il pleut pas. Donc, ça serait cool de finir la terre. À tout à l'heure. Bon, coucou tout le monde. Les gars, je suis sortie du boulot. J'ai pris mon petit café. Bon, ça m'a pas trop réveillée, mais c'est pas très grave. Par contre, j'étais dégoûtée. Franchement, je suis sortie en pause ce matin et bah, il pleuvait. C'est pas vrai, je vais jamais y arriver avec cette terre. Mais il y en a vraiment marre. Hein. Mais bon, heureusement, je suis sortie du boulot, il faisait beau. Il y avait un beau soleil. Bon, voilà, il y a encore des nuages, mais tant pis. On y va parce que moi, je n'en peux plus de cette terre. Vraiment. Il est temps de passer à autre chose. Let's go. Dire que le démarrage a été très pénible. Bah oui, c'est comme leur passage. C'est coup de 6 mètres. Après, bon, bah, c'est vrai qu'elle colle énormément. Mais bon, vu ce qui est tombé ce matin, c'est pas étonnant. Et tous les jours d'avant, d'ailleurs. Il n'arrive pas de pleuvoir un jour sur deux. Mais bon. Bon là, je crois que j'ai plutôt intérêt de me dépêcher, hein, parce que le ciel se couvre d'un coup, quoi. Il est vraiment contre moi. J'ai réussi. Oui,
terre. Pour l'instant. Mais bon, l'autre, on en parlera dans quelques temps. Hein. Oui. Par contre, j'ai peur hein, pour la déchetterie. Hein, parce que celle-là, j'ai chargé à bloc parce que. Mais je voulais pas faire deux tours. Enfin, je voulais pas faire trois tours. C'est bon. J'ai mon fusil à aller chercher après. Et puis j'en ai marre. Donc je veux que ça se termine très vite. Let's go. Bah, j'ai un peu de temps avant d'aller chercher mon fils. Mais on va prendre un petit café. Eh oui, j'ai recommencé les lasures. Je vous montre où j'en suis. Donc je les ai retournées. J'ai fait la première couche de l'autre côté. Pour celle-là, il m'en reste une. Et celle-là, c'est celle que j'ai ramenée, qui restait en fait, parce que j'ai enlevé le poteau, puisqu'il est fini, lui. Et c'est la toute dernière palissade. Let's go! Il va être temps aussi qu'elle se termine, celle-là. J'ai hâte de finir cette clôture. Il n'y a pas que pour moi hein, qu'il est temps que ça se termine. À mon avis, les tréteaux, ils vont pas faire long feu. Bon, bah, il va être temps que je m'arrête là. Hein. Plus le choix. Celui-là, il va se coucher. Mais avant de se quitter, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est trop joli. Et c'est pas moi qui l'ai. Enfin, je l'ai pas acheté. Non, non. Enfin, si, mais il y a longtemps. J'ai ma première fleur. Et en fait, je sais son nom maintenant. Il est revenu tout seul. C'est un magnolia étoilé. C'est trop joli. Elle est jolie. Hein? J'espère en avoir plein d'autres. Bon, bah, on va se rentrer maintenant, c'est sûr. Mais je vais faire quelque chose d'autre à la maison. Je vais monter ma petite serre. Comme ça, demain, j'aurai juste à la sortir. Et je pourrai peut-être semer mes premières salades. Je vous montre ça demain. À demain. Bonjour tout le monde. Bon week-end. On est samedi matin. Il est 10h et j'ai absolument rien fait. Bon, bah, faut bien se reposer un petit peu. Oui. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, parce que j'aurais vraiment aimé faire, mais que je ne vais pas pouvoir faire, c'est aller chercher une remorque de gravier. Pour me mettre devant, pas devant... là où il y a les voitures, mais là où il y a les plantes. Mais d'abord, faut que je nettoie tout. Ce sera mieux. Et puis, j'ai une petite idée hier. Comme ça, ça m'arrive de temps en temps. J'ai des petits éclairs, comme ça. En fait, vous savez où il y a les petits cyclamens. Je pense que je vais remettre des narcisses aussi. Parce qu'ils fleurissent en même temps. Ça risque d'être joli quand même. Bon, c'est pas tout de suite parce que ça, on les plante pas maintenant, mais je pense que pour l'année prochaine, ça peut être pas mal. Bon, allez, on commence le nettoyage. Ah, si, j'ai bien monté ma serre hier. Elle est dehors, je vous la montre tout à l'heure. Bon, elle est pas mal, je trouve. Hein.
changement de programme. Enfin, un petit peu, hein, parce que. Oui, parce que j'en ai vraiment marre aussi, là. Donc là, j'ai commencé à désherber le côté du bananier et des palmiers, qui sont magnifiques d'ailleurs. Et donc, je vais aller à la déchetterie, déposer tout ce que j'ai mis dans la remorque, tous les déchets verts déjà, il y en a pas mal déjà. Pourtant, j'ai fait un tout petit coin. Hein. Et après, je vais chercher une remorque de gravier pour pouvoir bien protéger les plantes qui sont là, parce que. J'en ai marre de désherber. Bon, j'aurais toujours à désherber, mais beaucoup moins quand même. Moi, je mets la bâche dessus parce qu'il y en a plein qui vont à la déchetterie sans mettre de bâche, mais moi j'ai pas envie que ça tombe sur la route. Hein. Où tu vas? Où est mon ange? Je crois que Néon est intéressé par ce que j'ai ramené. Donc voilà, le gravier est arrivé. Il n'y a plus qu'à. Oui. Donc ben là, je vais prendre un petit café parce que j'ai décidé d'y aller tranquillou aujourd'hui. Ouais, ça fait longtemps. Apprécier ce que je fais. Moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que de savoir que la terre est partie, je me sens soulagée. Ça y est, je suis plus calme. Bon, ben, on va se remettre au lasure, hein. Il n'y a pas le choix. Faut les finir. Donc voilà, la deuxième couche est passée. S'il fait beau comme ça, ben, ce soir, je pourrais faire la troisième. Ce serait bien. J'avais oublié de vous montrer ma petite serre. Bon, elle est pas mal, hein. Bon, par contre, faut que je l'accroche, hein, parce que je mette un parpaing en bas, là. En plus, ça fera une étagère en moins, mais au moins, ça lui fera un poids. Ben oui, il faut pas oublier qu'il y a du vent ici. Bon allez, on retourne devant. J'ai une remorque à décharger. Bon maintenant, j'ai plus qu'à tout souffler.
Non, mais au mois de février, quoi. Si je suis pas enrhumée, je comprends pas, hein. Bon, je me recouvre vite, hein, parce que j'ai attrapé chaud, hein. Je vous montre, c'est joli. Bon, c'est pas fini, hein. Donc voilà, on voit plus la terre. Bon, après, je suis pas sûre que Bananier l'apprécie beaucoup, mais bon. C'est quand même mieux. Après, bon, bah, si il aime pas, bah, il mourra et puis bah, on mettra autre chose, hein, c'est pas grave. Bon, ça m'embêterait un peu quand même, mais bon. Là, c'est pareil. Ça fait joli, hein. Puis là, tout autour, je vais mettre des graviers rouges. Enfin, c'est pas du gravier, c'est du sorte de lave, je sais plus quoi. Il paraît que ça fait repousser les escargots. Ça non plus, je suis pas sûre. Hein. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Donc, le reste des graviers, je les ai mis là. Après, s'ils n'ont pas la même couleur, c'est normal, c'est parce qu'ils sont mouillés. Bon, bah, je crois qu'on a bien mérité une petite pause. Un autre petit café. Bon, bah, je vais arrêter le nettoyage de devant pour ce soir. Oui, j'ai autre chose à faire, et puis je suis un peu fatiguée. Donc, oui, il me reste encore à semer ma salade. Et puis faire la couche de l'azur encore. Baby, faut avancer. Donc, ah si, j'ai planté mes petites fleurs, mes petits œillets. Je vous montre. C'est joli, hein. Bon, c'est trop chaud. Donc voilà mon petit bac à semis, que j'ai bricolé bien sûr. Hein. En fait, c'est un bac de récupération. Puis j'ai mis une bâche plastique avec des trous dedans, bien sûr, pour laisser passer l'eau. Ah oui, je vais pas l'éloigner quand même. Et bah, ça coûte pas cher, que de la récup. Maintenant, il faut aller chercher du scratch pour l'attacher au poteau. Une note de sécurité, c'est toujours bon à prendre. Oui, j'ai pas envie qu'elle s'envole. Bon, j'ai pas trouvé de scratch, alors j'ai mis un bout de ficelle pour ce soir. C'est bien bon. Je retrouverai du scratch plus tard. Ce sera mieux. Bon, on va pas partir, là, c'est sûr. Bah oui, hein. Le coup de la tonnelle, ça m'a traumatisé. Nous, non. Je refais plus la même erreur. Donc, voilà. Bon, bah, il me reste à passer la lasure et puis ça va être bon. Je vais vous dire au revoir. Et puis, j'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu. Moi, j'ai adoré tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, c'était pas facile les graviers parce que bon, bah, c'est quand même assez physique, mais... quand on voit l'amélioration que ça fait, ça vaut le coup. Bonne soirée.